Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la deuxième partie de notre chapitre nombre réel. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de résoudre des équations de la forme x2 égale a où a est un nombre quelconque, développer et réduire des expressions algébriques contenant des racines carrées et rendre rationnel le dénominateur d'une fraction. Préparez vos outils, votre livre de maths, des papiers, un crayon et une calculatrice. Racines carrées et équations. A est un nombre quelconque. Si A plus grand à 0, A est un nombre positif, alors l'équation x2 égale A a deux solutions. X égale moins racine carrée de A ou X égale racine carrée de A. Si A est égal à 0, alors l'équation x2 égale 0 admet une solution unique. X égale 0. Et si A est inférieur à 0, A est un nombre négatif, alors l'équation x2 égale A n'a aucune solution. On a trois possibilités. Exemple. L'équation x2 égale 25 a deux solutions. 25 est un nombre positif. Alors x2 égale 25 a deux solutions. X égale moins racine carrée de 25 est égal à moins 5 ou x égale racine carrée de 25 est égal à 5. Notez qu'on peut résoudre cette équation par une autre méthode. x2 est égal à 25 équivalent à x2 moins 25 est égal à 0. Factoriser x2 moins 25 a2 moins b2, la forme factorisée est a moins b a plus b. Donc x moins 5, x plus 5 égale à 0. L'un de ces facteurs est égal à 0, x égale 5 ou x égale moins 5. Deuxième exemple, l'équation x2 égale 7. 7 aussi est un nombre positif, donc cette équation a deux solutions, x égale moins racine carrée de 7 ou x égale racine carrée de 7. Troisième exemple, x2 égale moins 7 n'a aucune solution. Ici, moins 7 est un nombre négatif, donc cette équation n'admet pas des solutions. Application. Arrêtez la vidéo et travaillez. D'abord, x2 égale 8. 8 est un nombre positif, donc cette équation a deux solutions. X égale moins racine carrée de 8 égale moins 2 racine de 2 ou x égale racine carrée de 8 égale 2 racine de 2. Deuxièmement, 3x2 égale 5. Il faut chercher la forme équivalente à x2 égale a, donc x2 égale 5 sur 3, donc x égale moins racine carrée de 5 sur 3 ou x égale racine carrée de 5 sur 3. Troisièmement, x2 plus 6 égale à 0 est équivalent à x2 égale moins 6. Moins 6 est un nombre négatif, alors cette équation n'a pas de solution. Finalement, 2x plus 1 au carré égale à 0. Donc 2x plus 1 est égal à 0. 2x égale moins 1, x égale moins 1 sur 2. Développer et réduire des expressions contenant des racines carrées. Rappel, les identités remarquables a moins b, a plus b est égal à 2 moins b2, a moins b au carré est égal à 2 moins 2ab plus b2, et a plus b au carré égale à 2 plus 2ab plus b2. Les solutions. 3 racines de 5 moins racine de 7 fois 3 racines de 5 plus racine de 7, c'est de la forme a moins b, a plus b, donc a2 moins b2. Est égal à 45 moins 7 est égal à 38. Deuxièmement, 2 racines de 6 moins 1 au carré, c'est de la forme a moins b au carré, a au carré, 2 racines de 6 au carré, moins 2ab, plus b au carré, 1 au carré. 2 racines de 6 au carré, 2 au carré, fois racine de 6 au carré est égal à 24, moins 4 racines de 6 plus 1 est égal à 25, moins 4 racines de 6. Troisième exemple, de la forme a plus b au carré, c'est a au carré, 4 racines de 2 au carré, plus 2ab, 2 fois 4 racines de 2 fois racine de 5, plus b au carré, racine de 5 au carré, est égal à 32 plus 8 racine de 10 plus 5, additionner les nombres semblables, est égal à 37 plus 8 racine de 10. Finalement, moins 2 racine de 3 plus 5 multiplié par racine de 3 moins 1. Moins 2 racine de 3 fois racine de 3 est égal à moins 6. Moins 2 racine de 3 fois moins 1 est égal à plus 2 racine de 3.
5 fois 5, racine de 3 est égal à 5 racine de 3. Et 5 fois moins 1 est égal à moins 5 est égal à moins 11 plus 7 racine carrée de 3. Maintenant, arrêtez la vidéo et travaillez cette application. La solution. 2 racines de 5 multipliées par racine de 15 moins 3 est égal à 2 racines de 5 fois racine de 15 moins 2 racines de 5 fois 3 est égal à 10 racines de 3 moins 6 racines de 5. Deuxièmement, 3 racines de 7 plus 2 racines de 3 au carré, a plus b au carré. C'est de la forme a au carré, 3 racines de 7 au carré, plus 2ab, 2 fois 3 racines de 7 fois 2 racines de 3, plus b au carré, 2 racines de 3 au carré, est égal à 63 plus 12 racines carrées de 21 plus 12. Additionner les nombres semblables. 5 racines de 2 moins 3 racines de 5 fois 5 racines de 2 plus 3 racines de 5. A moins B, A plus B. De la forme A2 moins B2 est égal à 50 moins 45 est égal à 5. Racine carrée de 6 moins 2 au carré moins 3 racines de 6 fois moins racine de 6 plus 1. Racine de 6 moins 2 au carré, c'est de la forme A moins B au carré est égal à 2 moins 2AB plus B2. Moins 3 racine de 6 multiplié par moins racine de 6 moins par moins plus. Et racine de 6 fois racine de 6, c'est 6. 3 fois 6, c'est 18. Moins 3 racine de 6 fois 1 est égal à moins 3 racine de 6. Les monomes semblables, 28 est égal à 28 moins 7 racine de 6. C'est quoi un nombre conjugué? On donne les nombres A, B et C où C est positif. Les nombres A plus B racine de C et A moins B racine de C sont dits nombres conjugués. Voilà les exemples. Un conjugué de 5 moins racine carrée de 6 est 5 plus racine carrée de 6. Un conjugué de 3 racine carrée de 2 plus racine de 5 est 3 racine de 2 moins racine de 5. Un conjugué de racine de 7 est moins racine de 7. Faites attention, 2 racine carrée de 3 et moins racine carrée de 3 ne sont pas des nombres conjugués. Application. Trouvez un conjugué de chaque nombre pour calculer leur produit. Arrêtez la vidéo et travaillez. Solution. Un conjugué de 3 plus 3 racine de 5 est 3 moins 3 racine carrée de 5. Leur produit de la forme A plus B, A moins B. A2, 3 au carré, moins B2, 3 racine de 5 au carré est égal à 9 moins 45 est égal à moins 36. Deuxièmement, un conjugué de racine carrée de 7 moins 2 est racine carrée de 7 plus 2. Aussi, leur produit de la forme A moins B, A plus B est égal à 2 moins B2 racine de 7 au carré moins 2 au carré égale 7 moins 4 égale 3. Troisièmement, un conjugué de 5 racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 est 5 racine de 2 moins racine carrée de 3. Leur produit de même de la forme A2 moins B2 est égal à 47. Quatrièmement, un conjugué de moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 6 est moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 6. Leur produit aussi de la forme A2 moins B2 où A est égal à moins racine carrée de 3 et B est égal à racine carrée de 6 est égal à moins 3. Comment rendre rationnel le dénominateur d'une fraction? Pour rendre rationnel un dénominateur d'une fraction, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par un conjugué du dénominateur. Voilà. Pour rendre rationnel le dénominateur de racine de 2 sur 3 plus racine de 2, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 3 plus racine de 2, c'est 3 moins racine de 2. Multipliez le numérateur et le dénominateur par le même nombre conjugué. Le dénominateur de la forme A2 moins B2 est égal à 3 racine de 2 moins 2 sur 7. Deuxième exemple, pour rendre rationnel le dénominateur de 3 sur 2 racine carrée de 11, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 2 racine carrée de 11. C'est le conjugué de 2 racine carrée
2, 11 est égal à 3 racine carrée de 11 sur 22. On a ici simplifié. 6 et 44 sont divisibles par 2. Remarque. Dans ce cas, multiplier seulement par racine carrée de 11 sera 3 racine carrée de 11 sur 2 racine carrée de 11 fois racine carrée de 11 est égal à 3 racine carrée de 11 sur 22. On a la même réponse. Maintenant, une application. Arrêtez la vidéo et travaillez. Solution. Multiplié par le conjugué est égal à 2 racine carrée de 10 sur 6 divisé 2 et 6 par 2 est égal à racine carrée de 10 sur 3. Le conjugué de racine carrée de 3 plus 2 est racine carrée de 3 moins 2. Multipliez le numérateur et le dénominateur par le conjugué. Racine carrée de 3 moins 2 multiplié par racine carrée de 3 moins 2 est égal à racine carrée de 3 moins 2 au carré de la forme A moins B au carré A2 moins 2AB plus B2. Et le dénominateur de la forme A2 moins B2 est égal à racine carrée de 3 au carré c'est 3, moins 2 au carré c'est 4, 3 moins 4 c'est moins 1. On a 7 moins 4 racine carrée de 3 sur moins 1, 7 sur moins 1 est égal à moins 7, et moins 4 racine carrée de 3 sur moins 1 est égal à plus 4 racine carrée de 3. Troisième exemple, 1 sur 7 racine carrée de 2 moins 2 racine carrée de 7. On multiplie par le conjugué, 7 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 7. Aussi, on a A2 moins B2 est égal à 7 racine carrée de 2 plus 2 racine carrée de 7 sur 70. Revisez à la page 23 et 24 de votre livre et travaillez l'exercice 14, 18 A, B, D, et I et K et 25 A, B et C à la page 32 et 33 du livre. Voilà le résumé de notre chapitre. Merci pour votre attention.